pour vaincre la mucoviscidose. Nous sommes tous et toutes réunis aujourd'hui pour avancer, pour donner. Avancer, donner, partager et surtout vaincre la mucoviscidose. Tel était l'objectif des Virades de l'Espoir qui se déroulaient ce week-end à Rezé. C'est donner un peu de son temps pour des gens qui souffrent tout au long de l'année. On est là par solidarité envers les malades pour que la recherche puisse progresser, pour qu'il y ait des fonds. On avait envie de faire partager ça à notre garçon. Nous faisons partie d'une des plus vieilles associations de Nantes, la Laetitia. Et aujourd'hui, donc, on s'est mobilisé pour encadrer la marche de 13 km. Une mobilisation générale pour un événement qui a réuni des milliers de personnes sur le bord de Sèvres. Aujourd'hui, c'est la journée nationale pour faire parler de la mucoviscidose et récolter des fonds pour la recherche. Ces fonds servent à la recherche, donc tout est remonté sur Paris à vaincre la mucoviscidose et donc permettront de trouver, on espère, le médicament miracle. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique, c'est la plus fréquente en France. Alors, c'est une maladie qui va toucher les poumons, ça touche aussi les autres organes et ça oblige les personnes atteintes de ces maladies à avoir des traitements très lourds. Aujourd'hui en France, près de 6000 personnes sont touchées par la maladie. Parmi elles, Clémence. Moi, je m'appelle Clémence Carvévan et donc je suis la fille de Christine. Donc j'ai la mucoviscidose. C'est vrai que la muco, c'est pas facile, mais il faut avoir la niaque et pour l'avoir, il faut être de bonne humeur de temps en temps. Et puis voilà, et puis faut pas s'apitoyer trop non plus, sinon on peut pas avancer. Ni apitoiement, ni ombre au tableau de ces Virades 2011, mais des jeux, du sport, de la musique et du rire. 3, 2, 1, 0. Placés sous le signe de la solidarité et de l'entraide, ces Virades de l'Espoir auront permis de récolter pas moins de 11 000 euros et de donner un peu plus de souffle à ceux qui en manquent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était les Virades.